partir du menu des mets et des mots, issu du corpus créé par Mesdames Borotra, Ovcharenko et Grisard en 2020-2021, nous avons imaginé une séquence pédagogique qui fera voyager les apprenants du texte littéraire vers la recette de cuisine. Ce corpus met à l'honneur 7 auteurs asiatiques. D'abord, une étude des textes littéraires, choisis parmi les textes du menu. Les choix étaient infinis. Tiabap ou maïs. Tiabobban ou billes de tapioca. Tiadaosan ou haricot mango. Tiadaodern ou haricot noir. Mon préféré était sans conteste le Tiabamao aux trois couleurs. Puis, on met l'accent sur l'héritage d'une recette à partir des extraits du menu.